vous avez encore 3 minutes. Hein. Alors bonjour, bonjour et bienvenue pour ce dimanche de notre week-end d'église. On n'est pas en direct sur YouTube, mais on enregistre quand même pour pouvoir mettre ensuite en replay. On a essayé en direct, mais la connexion du lieu où on fait le week-end n'est pas extraordinaire. Elle y est déjà, mais ce n'est pas suffisant, mais on pourra la mettre en replay. On pourra le mettre quand même ce culte-là sur YouTube en replay. Ce week-end d'église, hier déjà, journée riche. Je pense que la plupart d'entre vous étaient là hier, très très riche la journée d'hier. Aujourd'hui, elle sera plus courte, mais j'espère tout aussi riche. Et hier, on a continué à explorer une autre partie de notre héritage éternel. Cette série en fait dans laquelle on est, où on réfléchit depuis le début du mois de septembre sur le royaume de Dieu, le royaume éternel de Dieu et l'héritage éternel qui attend les enfants de Dieu dans ce royaume. Et nous avons parlé hier de la relation éternelle que Dieu nous offre avec lui et entre nous. Et c'est surtout de cette partie-là, en fait, dont on a parlé hier, entre nous. Ça fait bientôt un mois et demi qu'on explore ce thème.
de l'héritage éternel. Hein, on avait eu aussi, si vous vous souvenez, au printemps dernier, tout un tas de prédications sur les valeurs du royaume de Dieu. On parlait déjà de ce royaume éternel. Ça fait un paquet de dimanches à parler ensemble de ce fameux royaume éternel de Dieu. Et aujourd'hui, eh bien, on va terminer ce parcours d'exploration sur le royaume éternel du Seigneur. Et tout au long de ces derniers mois, on a pu grandir dans notre compréhension du plan de Dieu, notre compréhension de sa personne, de qui il est, notre compréhension de sa volonté et de ses promesses aussi, et des cadeaux immérités qu'il nous fait. Et j'aimerais vous proposer ce matin de commencer ce culte par nous tourner vers lui pour le remercier. On a déjà eu la joie, la grâce de pouvoir se réunir depuis le début du mois de septembre, sans plus aucune limite dans l'accueil dans nos locaux. La seule limite qui nous reste, c'est celle du masque. Mais on peut se réunir, on a eu la joie de se retrouver, d'explorer cette thématique, d'en apprendre beaucoup sur Dieu au travers de la parole de Dieu. Eh bien, j'aimerais vous proposer qu'on puisse commencer par le remercier ce matin. Le remercier de son amour, de son salut, de son pardon. Le remercier de cet héritage, de ce royaume qu'il nous offre. Le remercier aussi, on s'était arrêté là-dessus hier, le remercier aussi les uns pour les autres. Hier, on avait terminé la journée sur un moment de prière, un temps de prière de reconnaissance en petit groupe où on demandait merci à Dieu pour mon frère, pour ma sœur. Pour ce culte de notre week-end d'église, nous désirons commencer par remercier notre Seigneur par nos chants, par nos prières, mais aussi par ce témoignage commun de gratitude, de foi, d'amour, de reconnaissance, ce témoignage commun qui est la scène. Et je vais inviter à Violaine, Gabrielle, si vous voulez servir la scène. Je ne vais pas te mettre la pression, Gabi. Si tu veux. Les éléments sont là-bas. Faire circuler par les musiciens d'abord et puis enfin, musiciens techniques. Merci beaucoup. Attends, je vais le poser. Merci. La scène. Oh, vous pouvez vous lever pour ce moment de la scène. Pendant que la distribution a lieu, on va discuter un petit peu justement de ce qu'est la scène. Hein, c'est un moment qui est tellement chargé de sens, tellement chargé de symbolique, que ce n'est pas simple de pleinement le rappeler à chaque fois. Il faudrait presque, à chaque fois qu'on prend la scène, faire une prédication de 25-30 minutes sur le sujet, si on voulait rappeler tout ce qu'elle est. Je vais vous faire une petite liste rapide de ce qu'est la scène. Vous verrez qu'en fait, chacun de ces points, il faudrait les approfondir. La scène, c'est un moment de rappel, de souvenir. La scène, c'est un moment de témoignage. La scène, c'est un moment d'unité. La scène, c'est un moment d'humilité. La scène, c'est un moment de repentance. La scène, c'est un moment de gratitude. La scène, c'est un moment d'adoration. La scène, c'est un moment de chagrin, de tristesse. Et en même temps, c'est un moment de joie mélangée. La scène, c'est un moment de recueillement. Et c'est aussi un moment d'allégresse pour le peuple de Dieu. La scène, c'est un moment très, très, très personnel. Hein, et pourtant, un moment de totale communion entre les croyants. La scène, c'est un moment de l'annonce d'une mort et de proclamation d'une résurrection. Vous voyez que la scène, c'est tellement chargé en sens que c'est pas facile de tout expliquer, tout rappeler à chaque fois.
Et le plus simple, peut-être, c'est de revenir à juste ce qu'elle symbolise en premier, je pense. Le rappel de la mort innocente du Christ. Pour offrir à tous les humains la possibilité de recevoir le pardon de leurs fautes dans une repentance sincère et un changement de vie, afin d'entrer éternellement dans le royaume de Dieu. Et dans ce geste de la scène que les chrétiens pratiquent depuis le dernier repas du Seigneur avant sa mort, dans ce geste de la scène, il y a deux éléments. Le pain qui symbolise le corps du Christ qui a été brisé sur la croix, qui a souffert à la place des coupables que nous sommes. Et ce pain, nous le prenons régulièrement ensemble, en souvenir de ce que le Christ a souffert pour nous sauver. Alors prenons-le encore ce matin, en souvenir du Seigneur. Le deuxième élément, c'est du vin, ici du jus de raisin, pour nous du fruit de la vigne, qui symbolise le sang du Christ. Son sang versé à la croix, c'est-à-dire sa vie, le sang c'est la vie dans la Bible. Sa vie offerte pour le rachat de notre vie, racheter notre vie condamnée par notre péché. Ce fruit de la vigne, nous le prenons aussi régulièrement ensemble, en souvenir du Christ qui a donné sa vie pour nous. Alors prenons-le encore ce matin en souvenir du Seigneur. Par ce geste, nous voulons dire à notre Dieu notre foi dans son œuvre éternel de salut pour nous. Et nous voulons le faire dans l'unité, dans la reconnaissance de cette communion, la reconnaissance de cette fraternité qu'il nous a donnée, cette même appartenance à son peuple, ce partage commun de l'héritage éternel dans son royaume. C'est pour ça que je vous propose de continuer, terminer ce temps de scène par ce cantique. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous voici devant toi. C'est ainsi que nous voulons réaliser, partager ce moment de la scène.
place. Depuis le début du mois de septembre, nous parlons donc de l'héritage éternel que Dieu offre à ses enfants. Nous avons expliqué tout au long de ces semaines, nous avons rappelé que c'est en Christ, grâce au sacrifice du Christ, que nous avons accès à cet héritage. C'est grâce au pardon de nos fautes lors de notre conversion que nous entrons alors dans le peuple de Dieu, que nous entrons dans le royaume éternel de Dieu, et donc dans l'héritage qui est réservé aux citoyens et citoyennes du royaume de Dieu. Nous avons rappelé aussi que cet héritage est éternel, mais ça ne veut pas dire qu'il est futur. Il est éternel et c'est dès aujourd'hui que Dieu nous offre cet héritage qu'il veut nous voir vivre. Hein ? Dieu veut nous voir, on en avait parlé hier un petit peu, Dieu veut nous voir consommer. Je sais, j'avais dit hier, c'est un mot qu'on a un peu banni des églises. On ne veut pas des consommateurs dans les églises. Eh bien, Dieu veut des consommateurs de son héritage. Dieu veut des consommateurs de son héritage. Il nous faut nous en saisir, nous en nourrir, en vivre, le consommer. Il veut qu'on en bénéficie et en même temps qu'on participe à le faire grandir, à le faire fructifier, croître. On consomme et on fait fructifier. Mais est-ce que vous savez qu'en fait, dans l'Ancien Testament, déjà, parce que en fait, jusque-là, on a surtout cité des textes du Nouveau Testament dans ce parcours sur le royaume de Dieu. Mais est-ce que vous savez que dans l'Ancien Testament, Dieu avait mis en place quelque chose qui annonçait déjà tout ça, tout ce qu'on a pu dire? Il y a une chose qu'il annonçait totalement déjà dans l'Ancien Testament. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné à son peuple quelque chose qui devait lui rappeler sans cesse cet héritage que Dieu veut offrir à l'humanité. Et cette même chose rappelée en même temps à l'humanité, qu'en étant marquée par le péché, elle ne pouvait pas entrer dans cet héritage. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Non, pas l'arche. Dans l'Ancien Testament, quelque chose qui devait rappeler à chaque instant au peuple l'existence d'un royaume de Dieu, non, et de l'héritage éternel qui s'y trouve, tout l'héritage qui s'y trouve, mais qui rappelait aussi à chaque instant au peuple que si nous restons dans notre état de pécheur, ce royaume et cet héritage nous sont fermés. Pas le voile. C'est que des parties, vous me citez des parties là. Ah, faut restreindre un tout petit peu. Le lieu très saint. On va lire ensemble un texte dans l'Épître aux Hébreux. Ah oui, on va parler de l'Ancien Testament, mais en lisant le Nouveau. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 9, les versets 1 à 8. Certes, la première alliance avait un rituel pour le culte ainsi qu'un sanctuaire qui était terrestre. On avait en effet installé une tente, le tabernacle, partagé en deux. Dans la première partie se trouvait le chandelier et la table avec les pains offerts à Dieu, on l'appelait le lieu saint. Derrière le second rideau venait la partie de la tente, ce qu'on appelait le lieu très saint. Là était placé un brûle-parfum en or et le coffre de l'Alliance entièrement plaqué d'or. Ce coffre contenait un vase d'or avec de la manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tablettes de pierre sur lesquelles étaient gravées les paroles de l'Alliance. Au-dessus du coffre, les chérubins glorieux couvraient le propitiatoire de l'ombre de leurs ailes. Mais ce n'est pas le moment de parler de chacun de ces objets en détail. Enfin, nous, c'est pourtant ce qu'on va faire. Hein. Cet ensemble étant ainsi installé, les prêtres entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle pour accomplir leur service. Dans la seconde, le grand prêtre est le seul à pénétrer, et cela une seule fois par an. Or, il ne peut y entrer sans apporter le sang d'un sacrifice qu'il offre pour lui-même et pour les fautes que le peuple a commises par ignorance. Le Saint-Esprit nous montre par là que l'accès au lieu très saint n'est pas ouvert tant que subsiste le premier tabernacle. Ce texte nous parle du tabernacle. Le tabernacle, c'est un temple démontable.
hein, je pense qu'on peut le résumer comme ça. Lorsque Dieu a libéré le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, au travers de Moïse, hein, Dieu a ensuite conduit son peuple dans le désert jusqu'au mont Sinaï pour conclure avec eux une alliance. Et pour rendre visible cette alliance, pour rendre visible la présence de Dieu au milieu de son peuple, eh bien Dieu demande de construire un temple, mais qui soit en toile, un peu comme une grande tente, hein, parce que le peuple devait voyager dans le désert, donc il faut pouvoir monter, démonter, transporter ce temple, c'est ça le tabernacle. Et plus tard, quand Israël sera installé dans le pays de Canaan que Dieu leur donnera, Dieu va demander au roi Salomon, cette fois, de construire un temple en pierre. Cette fois, un temple dans la capitale Jérusalem, en pierre, parce que plus besoin de le démonter pour voyager. Mais finalement, le tabernacle et le temple sont construits un peu sur le même modèle, même si le temple était bien plus grand que ce qu'était le tabernacle. Le cœur du tabernacle et du temple, l'endroit le plus important, le plus sacré, c'est ce qu'on appelle le lieu très saint. Et c'est de ça dont nous parle ce texte. En fait, cet endroit, le lieu très saint, il était là pour symboliser le royaume de Dieu, rempli de la parfaite présence de Dieu. Un endroit où rien d'impur, aucun homme pécheur n'avait le droit d'entrer dans ce lieu très saint qui symbolisait le royaume de Dieu. Il n'y avait que le grand prêtre qui pouvait y entrer une fois par an, après s'être purifié lui-même et après avoir fait la cérémonie du grand pardon, une cérémonie annuelle du grand pardon pour lui-même et pour tout le peuple. Là, et seulement là, il était autorisé à entrer, et lui seul, dans le lieu très saint, juste une fois par an, pour y apporter le sang de ce sacrifice du grand pardon pour tout le peuple. Ce lieu très saint symbolise le royaume de Dieu, ce royaume éternel dans lequel la Bible nous dit que règne uniquement la parfaite volonté de Dieu, sa parfaite justice, son parfait amour, sa parfaite sainteté. C'est ce que nous annonce l'apôtre Pierre au sujet de la nouvelle création que nous attendons après le retour du Christ. Il nous dit en 2 Pierre chapitre 3, « Mais nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera pleinement. Rien d'impur, pas de mal, pas de péché. » Le lieu très saint du tabernacle et du temple était un rappel permanent pour le peuple à l'époque. C'était pour eux un but à atteindre. C'était un objectif qui donnait du sens à leur vie. Le but de leur vie, le but de Dieu lorsqu'il nous a créés, c'est de nous ouvrir les portes de son royaume éternel, pour y recevoir éternellement son héritage, en vivant d'une manière qui lui plaise, en lui offrant la gloire qui lui revient une fois qu'on est dans ce royaume. Et le peuple avait constamment sous les yeux, enfin sous les yeux, il ne le voyait pas, mais il savait qu'il était là, ce lieu qui symbolisait le royaume de Dieu, qui leur était fermé, mais qu'ils voulaient pouvoir atteindre, dans lequel ils voulaient pouvoir entrer. Vous voyez, c'était une motivation énorme, ce lieu très saint pour le peuple. C'était un objectif, c'était le but de leur vie, pouvoir être trouvé digne d'entrer dans ce lieu très saint. Enfin, pas dans celui du temple ou du tabernacle, dans le vrai, le royaume de Dieu. Et tous les objets qui sont présents dans ce lieu très saint, si vous les regardez un petit peu, vous verrez qu'ils symbolisent en fait tout ce qu'on a pu dire ces derniers dimanches sur l'héritage qui attend les enfants de Dieu dans son royaume. D'après notre texte, qu'est-ce qui se trouve dans le lieu très saint? On trouve un brûle-parfum en or. Cet objet qui servait à brûler des parfums précieux pour honorer le Seigneur. Ces parfums qui montent vers Dieu en brûlant, il symbolise l'adoration éternelle que son peuple aura la joie d'offrir à Dieu. Cette joie d'adorer Dieu qui fait partie de notre héritage. Parce que lorsque la Bible parle de l'adoration offerte à Dieu, régulièrement, elle nous dit que cette adoration est pour Dieu comme un parfum de bonne odeur qui monte vers lui. Vous avez peut-être entendu dans la Bible, déjà lu cette expression. On la trouve au sujet des holocaustes notamment, qui sont des sacrifices d'adoration pure, qui sont entièrement brûlés, entièrement consommés dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Et on nous dit que ce sacrifice devient comme un parfum de bonne odeur, agréable à l'Éternel. Mais ce n'est pas l'odeur du barbecue qui est agréable à Dieu, c'est vraiment l'odeur
du cœur d'adorateur qui monte vers Dieu hein, au travers de ce geste. Donc ce brûle-parfum qui symbolise cette part d'héritage éternel qu'est l'adoration éternelle. On en avait parlé dimanche dernier, justement lors du culte de baptême. Dans ce lieu très saint, on trouve aussi le coffre de l'Alliance qui est couvert d'un propitiatoire avec deux chérubins glorieux. Bon, propitiatoire, c'est un mot compliqué, autant compliqué à dire que compliqué à comprendre. En fait, c'est le couvercle. Voilà, c'est plus simple. C'est le couvercle du coffre d'Alliance où il y avait deux chérubins en or sculptés dessus. Et on l'appelle propitiatoire parce que c'est là que le grand prêtre, une fois par an, venait déposer le sang du sacrifice, du grand pardon pour les péchés, hein, pour que Dieu pardonne, pour qu'il soit favorable, pour qu'il soit propice, d'où propitiatoire. Voilà. Ce coffre d'Alliance avec ces deux chérubins glorieux, il symbolise la présence glorieuse du Seigneur. Et vivre dans la parfaite présence de Dieu, en parfaite relation avec lui, baigné de sa gloire parfaite, ça fait aussi partie de cet héritage que reçoivent les enfants de Dieu dans son royaume. On en a parlé ce week-end, cette relation parfaite avec Dieu. Qu'est-ce qu'on trouvait d'autre dans ce lieu très saint ? On trouvait un vase qui contenait de la manne, la nourriture que Dieu donne en abondance sans que son peuple ne manque de rien, cette nourriture du désert que Dieu a donnée pendant 40 ans avec fidélité. Et cette abondance éternelle fait aussi partie de l'héritage que les enfants de Dieu reçoivent dans son royaume. Si vous vous souvenez des prédications qu'on avait eues sur les valeurs du royaume au printemps dernier, il y a une des valeurs qui était que dans le royaume de Dieu, Dieu veut que personne ne manque de rien. Que personne ne manque de rien. On trouvait ça en 2 Corinthiens chapitre 8. Que personne ne manque de rien. C'est un des principes de base, une des valeurs fondamentales du royaume de Dieu. Eh bien ce vase contenant cette manne nous rappelle hein, que cette abondance éternelle fait partie de l'héritage que les enfants de Dieu reçoivent dans son royaume. On y trouve aussi les tables de la loi, avec les 10 commandements gravés dessus, donnés de la main même de Dieu. Ces tables de la loi qui résument la parfaite volonté de Dieu. Et on l'a vu hein, tout au long de cette série de prédications sur l'héritage éternel, avoir la joie de pouvoir faire la volonté de Dieu, de pouvoir accomplir des œuvres bonnes conformes à la volonté de Dieu. Ça fait partie de l'héritage de joie et de gloire que nous recevrons éternellement dans le royaume de Dieu. Et enfin, notre texte nous dit qu'on y trouvait le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Là, ça demande quelques explications parce que ce n'est pas une histoire que j'ai souvent entendue dans les églises. Moi-même, je n'ai jamais prêché dessus encore. Donc, je vais juste vous l'expliquer très rapidement. Hein. C'est un récit qu'on trouve dans le livre des Nombres, chapitres 16 et 17. Et pour faire court, parmi les 12 tribus d'Israël, Dieu avait désigné la tribu de Lévi pour accomplir le service au tabernacle, les Lévites. Hein. Les humains, eux, ne sont pas saints, ils sont pécheurs, ils ne peuvent pas entrer dans la présence de Dieu, dans le royaume de Dieu. Mais bon, Dieu avait désigné une tribu quand même pour pouvoir faire ce service dans le tabernacle, dans le lieu saint, le premier lieu, et une personne, le grand prêtre, pour aller faire le service une fois par an dans le lieu très saint. Mais bon, ça s'arrêtait là, quoi. Ça montrait bien que normalement, on n'y a pas accès en étant pécheur. Mais le peuple n'a pas aimé voir que seulement la tribu de Lévi pouvait entrer dans le tabernacle. Ça ne leur a pas plu. Le peuple pensait qu'ils étaient suffisamment saints pour s'approcher du royaume de Dieu. Et d'ailleurs, ils le disent, je vous le lis, hein, « C'en est assez, c'est la communauté tout entière qui est sainte et l'Éternel est au milieu de nous. De quel droit vous mettez-vous au-dessus de la communauté de l'Éternel ?» Voilà ce que le peuple a dit à Moïse, à Aaron et aux Lévites. Alors ils sont pécheurs, on voit en plus qu'ils sont rebelles aux décisions de Dieu, c'était Dieu qui avait décidé ça, ils sont rebelles, ils sont pécheurs, mais ils ont l'orgueil de se déclarer suffisamment saints pour avoir accès au royaume de Dieu. C'est Dieu qui a choisi la tribu de Lévi pour le service cultuel, mais le reste du peuple conteste le choix de Dieu. Et même en fait, ils en viennent à accuser Moïse et Aaron
de pas avoir bien transmis les ordres de l'Éternel, hein, d'avoir rajouté un peu des lois par-dessus les lois de Dieu. Ils pensent que c'est Moïse et Aaron qui ont choisi la tribu de Lévi, parce que la tribu de Lévi, c'est celle de Moïse et Aaron. Et du coup, c'est Aaron même qui est le premier grand prêtre. Alors, ils pensent qu'il y a un peu de copinage dans l'histoire. Alors Dieu leur propose un test. Chaque tribu doit prendre un bâton, donc 12 bâtons, il y a 12 tribus. Dieu demande de les placer dans le lieu très saint, devant le coffre de l'Alliance. Et le lendemain, Dieu aura fait bourgeonner le bâton de la tribu qu'il aura choisi pour le service du tabernacle. Et le lendemain, sans surprise, Dieu a confirmé son choix. C'est le bâton de la tribu de Lévi, qui était en fait le bâton d'Aaron. Du coup, c'était même le sien qu'il avait mis. C'est ce bâton qui a bourgeonné, et même plus, il a bourgeonné, il a fleuri, et il a donné des fruits. Donc là, le choix était clair. Et Dieu a demandé de laisser ce bâton dans le lieu très saint, comme rappel du libre choix de Dieu. Ce bâton, dans l'héritage éternel, il symbolise l'adoption. Dieu accueille dans son royaume qui il veut. Dieu sauve qui il veut sauver. Dieu choisit qui il va appeler à recevoir son héritage éternel. Dieu choisit qui il va appeler à devenir son enfant. Ça nous paraît très mystérieux. Ça nous paraît très mystérieux. On préférait être comme le peuple, pouvoir librement se déclarer saint et pouvoir y rentrer comme on veut, comme dans un moulin. Oui, ça paraît mystérieux, mais la Bible l'affirme clairement. L'adoption comme enfant de Dieu est un cadeau que Dieu nous donne et qu'il choisit de donner. C'est un cadeau immérité qui vient du libre choix de Dieu. Être adopté comme enfant de Dieu fait partie de l'héritage éternel que les enfants de Dieu reçoivent dans son royaume. Les Lévites n'étaient pas meilleurs que le reste du peuple. Ils étaient tout autant pécheurs et tout autant rebelles. Ils n'étaient pas meilleurs. Mais c'est ce que Dieu avait décidé. Les enfants de Dieu n'ont rien mérité d'eux-mêmes. Ils ont reçu ce salut comme un cadeau que Dieu leur fait. Ils ont reçu cette adoption comme un cadeau que Dieu leur fait. Aucune raison de s'enorgueillir, de se glorifier à ce niveau-là. Au contraire, que de l'humilité, de la reconnaissance, de la gratitude. Voilà tout ce que le lieu très saint nous rappelle. Dans le royaume de Dieu, ceux et celles que Dieu sauve reçoivent en héritage la joie d'adorer le Seigneur, la joie de vivre dans sa sainte présence, la joie glorieuse de produire des œuvres conformes à sa volonté, la tranquillité d'une vie passée dans l'abondance des bienfaits de Dieu, et enfin le bonheur éternel d'être appelé enfant de Dieu, fils et fille du roi des rois, héritier, héritière de son royaume éternel. Le lieu très saint du tabernacle et du temple était un rappel constant de tout ça. Même s'ils ne pouvaient pas y rentrer, ils savaient que tout ça s'y trouvait. Le peuple savait ce qui s'y trouvait. Ce lieu très saint donnait au peuple un objectif pour sa vie. Le royaume de Dieu. Vivre l'héritage éternel. Le lieu très saint donnait au peuple une motivation de vie qui surpasse toutes les motivations. Vivre d'une manière digne du royaume de Dieu. S'humilier devant Dieu, se repentir pour pouvoir entrer dans ce royaume. Le lieu très saint était un guide constant pour les pensées, pour les paroles, pour les actes du peuple. Faire ce qui est juste aux yeux de Dieu pour manifester, pour rendre visible leur appartenance au royaume de Dieu. Le lieu très saint donnait aussi une mission au peuple de Dieu. Annoncer, répandre, rendre célèbre la merveilleuse nouvelle annoncée par ce lieu très saint du royaume de Dieu, offert aux humains. Et en même temps, ce lieu très saint, il est interdit d'accès. Et il rappelait constamment que leur péché les séparait de Dieu, éternellement. Et qu'il n'y avait que le pardon de Dieu offert aux humains qui se repentent sincèrement. Que ce pardon, symbolisé par ce jour du grand pardon, avec le grand prêtre qui venait une fois par an apporter le sang pour que Dieu devienne propice, qu'il pardonne. Il n'y a que le pardon de Dieu offert aux humains qui veulent aimer Dieu et lui être fidèles. Il n'y a que ce pardon de Dieu qui peut offrir aux humains la sainteté indispensable pour rentrer dans le royaume du Dieu trois fois saint. Et non, nous ne sommes pas comme ce peuple à vouloir s'auto-déclarer saint
par qui nous sommes ou par nos actes. Il n'y a que le pardon de Dieu qui puisse nous offrir la sainteté indispensable pour entrer dans le royaume du Dieu trois fois saint. C'était génial pour eux d'avoir ce lieu. Ce lieu très saint constamment, à la fois à leur portée, mais dans lequel ils ne pouvaient pas rentrer, mais quand même, ils pouvaient y penser constamment. C'est quelque chose qui les aidait à y penser constamment. C'était un but, c'était une mission, c'était un objectif, c'était une motivation permanente. C'était génial, ça devait être trop bien pour eux de vivre à l'époque du tabernacle et du temple. Mais nous, nous n'avons plus de lieu très saint. On n'a plus de tabernacle, on n'a plus de temple. Enfin, on appelle des fois nos lieux de culte des temples, mais ça n'a rien à voir avec ce que c'était, quoi. L'accès à ce royaume ne nous est plus fermé non plus. Nous avons la fin de la révélation biblique. Hein. Nous savons que ce lieu très saint, ce royaume de Dieu, a été ouvert par le Christ à la croix. Le Christ qui s'est offert en sacrifice ultime pour le pardon de nos fautes. Le Christ qui est le grand prêtre ultime. Si vous continuez le texte qu'on a lu dans l'Épître aux Hébreux, si vous continuez les versets d'après, on nous dit qu'en fait, c'est le Christ qui accomplit vraiment ce qu'annonçait ce service du grand prêtre une fois par an. Le Christ est le grand prêtre ultime qui a offert le sacrifice ultime pour le pardon des péchés. Et puis, il s'est présenté ensuite, lui. Il est entré dans le royaume de Dieu pour que le Père valide, reconnaisse ce sacrifice, comme c'était le cas avec le grand prêtre qui rentrait et qui présentait ce sang. Le Christ a fait la même chose. À quel moment le Christ est rentré dans le royaume de Dieu pour se présenter devant le Père et présenter le sang du sacrifice? À quel moment? À l'ascension. À l'ascension. Quand il est retourné auprès du Père et qui accomplit la prophétie du livre de Daniel, où le Fils de l'homme s'avance vers le trône de Dieu. Le Christ est entré dans le royaume de Dieu en se présentant comme grand prêtre, venu offrir le seul et véritable sacrifice qui puisse pardonner les péchés des humains. Souvenez-vous ce qu'on a lu dans l'Épître aux Hébreux ? Le grand prêtre amenait le sang pour le pardon des péchés involontaires. Et c'est tout. Et c'est tout. Et la Bible est claire. La Bible dit constamment, pour le péché volontaire, le pécheur est seul face à son Dieu. Et il n'y a que Dieu qui puisse lui offrir ce pardon. C'était déjà clair pour le peuple à l'époque. Ce sacrifice ne pardonnait pas leur péché. À la rigueur, l'involontaire. Mais ça pèse pas lourd. Ce royaume n'est plus fermé. Et d'ailleurs, voici ce qui s'est passé au moment même de la mort du Christ à la croix. Je vous le lis en Matthieu chapitre 27. À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici qu'au même instant, le rideau du temple se déchira en deux de haut en bas. Le rideau qui fermait l'accès au lieu très saint. Il s'est déchiré à la mort du Christ. Parce que ce que symbolise le lieu très saint, c'est-à-dire le royaume de Dieu, n'est plus fermé. Il est désormais ouvert à quiconque reçoit le pardon en Jésus-Christ. Et c'est alors aussi tout l'héritage que contenait ce lieu très saint qui nous est également offert. La joie de l'adoration éternelle, de la parfaite relation à Dieu, de l'abondance de ses bienfaits, d'une vie remplie de sa parfaite volonté, ce bonheur d'être adopté comme les enfants du roi des rois. Voilà l'héritage que nous recevons au moment de notre conversion, au moment de notre salut. Mais nous n'avons plus le lieu très saint qui puisse être ce rappel constant, qui puisse nous donner un but, un objectif, une motivation, une mission. Le peuple l'avait constamment comme rappel, mais pas nous. Alors je pense que souvent nous oublions le royaume de Dieu. Je pense que souvent nous oublions à quel royaume nous appartenons vraiment. Nous oublions de vivre toute notre vie d'une manière digne de ce royaume parfaitement saint. Nous oublions d'offrir à Dieu l'adoration perpétuelle qu'il mérite. Nous oublions de faire confiance à Dieu pour tous les besoins de notre vie. Nous oublions de nous réjouir,
de ce privilège d'être en parfaite relation avec notre Seigneur. Nous oublions la joie insurpassable que doit être celle de se savoir enfant adoptif de Dieu, fils ou fille du roi des rois. La joie insurpassable. Nous n'avons plus le lieu très saint pour nous le rappeler constamment, alors je pense que nous l'oublions trop souvent. Et je dois vous avouer que ce qui m'a amené aussi à cœur de proposer aux autres prédicateurs, au conseil, de pouvoir, depuis le printemps dernier, parler du royaume de Dieu, c'est qu'en fait, en 36 ans, 37 ans de fréquentation d'église, j'en ai presque pas entendu parler. Nous oublions le royaume éternel. Nous oublions cet héritage que nous avons déjà reçu. Nous oublions cette motivation d'une vie juste devant Dieu. Nous oublions notre mission de participer à la croissance de ce royaume en travaillant avec Dieu au salut de ceux et celles qui sont encore perdus, qui n'ont pas encore accès à ce royaume béni à cause de leurs péchés. Nous n'avons plus le lieu très saint comme piqûre de rappel, alors nous oublions. Et pourtant, c'est faux. Le lieu très saint existe toujours. Ce lieu qui doit refléter la parfaite sainteté de Dieu, sa justice, son amour. Ce lieu choisi par Dieu qui est nourri des bienfaits inépuisables de Dieu. Ce lieu qui doit constamment être dans l'adoration. Ce lieu de la parfaite présence de Dieu par son esprit. Ce lieu existe toujours. Ce morceau du royaume de Dieu présent aujourd'hui sur cette terre. Ce lieu très saint actuel, qu'est-ce que c'est ? C'est nous. C'est nous. Et voici ce que nous dit l'Épître aux Éphésiens au chapitre 2. Car grâce au Christ, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père par le même esprit. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires, vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégrés à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et unis au Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Nous sommes ce lieu très saint où Dieu manifeste sa présence, sa justice, son amour, sa sainteté par son Esprit. Nous sommes ce morceau du royaume de Dieu qui est présent actuellement sur terre. Ce monde a reçu ce cadeau de Dieu. Dans l'ancienne alliance, il n'y avait qu'un endroit où ce royaume de Dieu était présent, quelques mètres carrés de ce lieu très saint. Aujourd'hui, le royaume de Dieu est présent partout sur cette planète, au travers de l'Église du Christ. En nous offrant son esprit, Dieu a fait de nous tous et toutes un rappel mutuel également. Un rappel pour ce monde, mais un rappel entre nous, un rappel mutuel du royaume de Dieu et de son héritage béni. Voilà pourquoi le Nouveau Testament nous encourage autant à vivre notre unité. Nous sommes ce rappel, cette motivation les uns pour les autres. Ce qu'était le lieu très saint dans l'Ancienne Alliance, nous le sommes les uns pour les autres, les uns aux yeux des autres. Je suis pour vous le rappel constant de ce lieu très saint où Dieu habite par son esprit. En tout cas, il faut que je le devienne de plus en plus. Et vous êtes pour moi le rappel constant de ce lieu très saint où Dieu habite par son esprit. Nous le sommes les uns pour les autres. Le but de notre vie doit être de devenir de plus en plus conforme à ce lieu très saint du tabernacle et du temple. Ce lieu très saint choisi par Dieu, adopté par Dieu, parfaitement juste devant Dieu, où le péché n'a pas sa place. Ce lieu très saint constamment dans la joie de l'adoration, qui fait pleinement confiance au Seigneur pour ce qui est de tous ses besoins. Ce lieu très saint qui rend visible, qui est un rappel dans ce monde, un rappel visible et constant de l'amour de Dieu, de sa justice et de sa sainteté.
ce lieu très saint qui affirme au monde que le royaume éternel de Dieu existe, qu'il existe, et qu'en Christ, il est maintenant ouvert à tous les humains qui recherchent Dieu pour recevoir le pardon de leurs fautes et pour mener une vie juste devant Dieu dans son royaume éternel. Voilà ce que nous devons tous et toutes devenir. Voilà ce à quoi nous devons constamment nous encourager. C'est pour ça que c'est si important pour nous de vivre des relations étroites, une communion solide. Tout ce dont on a pu parler hier, passer du temps ensemble pour grandir, tous ces fameux les uns les autres qu'on a vus, tout ça nous aidera à refléter de mieux en mieux ce royaume de Dieu, à être de mieux en mieux ce lieu très saint sur cette terre. Nous sommes les uns pour les autres, ce qui était le lieu très saint pour Israël. Nous devons être les uns pour les autres un rappel, un encouragement, une motivation, un but et un exemple. Relisez tous les commandements qu'on a vus hier avec les uns les autres. Tout ce qu'on a parcouru hier, vous verrez que je dis vrai, que tout cela pointe vers ce message-là. Au contact les uns des autres, le Saint-Esprit nous nourrit. Il nous reprend, il nous encourage, il nous motive à grandir sans cesse, il nous façonne pour être toujours plus parfaitement ce lieu très saint où Dieu habite par son esprit. Afin qu'à travers nous, ce monde voit le royaume de Dieu. Qu'à travers nous, ce monde voit la justice de Dieu. Qu'à travers nous, ce monde voit l'amour et la sainteté de Dieu. Pour que les habitants de ce monde puissent croire, se repentir et être sauvés. Matthieu chapitre 6, au verset 33. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Vous comprenez pourquoi nous désirons tellement parler du royaume de Dieu depuis quelques mois. Parler de ce royaume, parler de ses valeurs, parler de son héritage. Nous devons désirer connaître parfaitement le royaume de Dieu, notre royaume à nous, afin de vivre en digne citoyen, en digne citoyenne de ce royaume, ambassadeur, ambassadrice du royaume de Dieu sur cette terre. Il n'y a rien d'autre qui compte vraiment. Il n'y a rien d'autre qui puisse donner du sens à notre vie. Tout le reste, c'est superflu. Tout le reste. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui soit éternel. Alors nous arrivons au terme de notre parcours sur le royaume de Dieu. Et on ne va plus forcément le rappeler autant dimanche après dimanche, en tout cas verbalement, dans les prédications ou pendant les cultes. Et alors nous prenons à nouveau le risque d'oublier. Peut-être. Mais si vous avez bien écouté, si vous avez réellement pris conscience de l'importance centrale de ce message pour votre vie chrétienne, alors vous n'oublierez pas. Parce que maintenant, quand vous regarderez dans le miroir le matin, même si vous avez l'impression d'en être totalement indigne comme l'étaient les Lévites à l'époque du peuple d'Israël, eh bien en vous regardant dans le miroir, vous penserez au royaume de Dieu. Vous penserez à ce lieu très saint que vous êtes et que vous devez refléter. Ça vous amènera très certainement à vous repentir de beaucoup de choses et à vouloir progresser pour le refléter plus parfaitement. Mais vous y penserez en vous regardant dans la glace le matin. Quand vous verrez vos frères et sœurs en Christ également, voyez en eux, en elles toutes, en eux tous, ce lieu très saint qu'ils sont et qu'ils doivent refléter. Cherchez constamment à regarder vos frères et sœurs pour voir en quoi ils peuvent vous encourager. Si vous vous souvenez sur certains les uns des autres, hier, il y avait cherché constamment les qualités les uns des autres. Et non les vôtres propres, non ce qui vous valorise, mais les qualités des autres. Pourquoi ? Le but, ce n'est pas pour se mettre en dessous. Non, le but, c'est qu'est-ce que je peux recevoir pour grandir ? En quoi il, elle, est un exemple pour moi ? En quoi il, elle, est un rappel pour moi? En quoi il, elle, est une motivation vers le royaume pour moi? Quand vous verrez vos frères et sœurs, voyez en eux ce lieu très saint et cherchez constamment à regarder en quoi ils peuvent vous encourager.
Oui, il y aura peut-être des choses chez eux qui pourront vous décourager, comme il y en a en vous aussi. Mais ensemble, on pourra s'encourager dans tous les domaines de ce royaume. Regardez vos frères et sœurs pour chercher aussi en quoi vous pouvez les encourager. Et là, c'est à regarder à vous-même. En quoi vous pouvez les encourager à grandir, les motiver toujours plus à grandir dans cette direction, avec vous, ensemble. Regardez enfin ceux et celles qui n'appartiennent pas au Seigneur. Regardez-les selon le miroir de ce royaume, selon le filtre du royaume de Dieu. Regardez-les en voyant en eux, en elles, des personnes pour qui l'accès au lieu très saint est toujours fermé. Et ça, ça peut être éternel. Voyez en eux, en elles, des personnes que Dieu veut sauver pour leur permettre d'y entrer éternellement à ses côtés. Alors, si nous faisons ça, je suis persuadé que nous deviendrons à la fois des disciples, c'est-à-dire qui suivent leur maître pour lui ressembler, et des témoins qui veulent faire connaître leur maître. Tout cela a pour but que le royaume de Dieu grandisse sans cesse, que le peuple d'adorateurs grandisse sans cesse, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Et j'aimerais maintenant vous inviter à un moment de ce que vous voulez. Qu'est-ce que ça suscite tout ça ? Gratitude ? J'espère. Adoration, sûrement. Repentance, je pense aussi. Appel à l'aide de Dieu. Il le faut. Lui demander son esprit. Nous en avons besoin. J'aimerais juste vous inviter à un moment pour vivre ensemble, hein, comme si nous étions là, dans cette pièce, un lieu très saint, un morceau du royaume de Dieu. Adorer Dieu, le remercier, lui demander son aide, dépendre de lui pour toutes nos forces spirituelles, humaines, pour tous nos besoins, nous repentir devant lui pour revenir dans sa sainteté. Nous allons laisser le Saint-Esprit susciter en nous toutes les réponses qu'il désire que nous offrions à Dieu, le Père et au Seigneur Jésus-Christ, suite à tout ce message et à tout ce parcours. Si le Saint-Esprit suscite en vous un chant, un cantique, bien proposez-le et nous pourrons l'offrir ensemble à notre Dieu, comme ce parfum de bonne odeur qui monte vers notre Père Céleste. Rassurez-vous, c'est comme pour hier, nos frères et sœurs à la louange, à la technique, sont prêts et prêtes à accompagner cette adoration spontanée avec les dons que ce même Saint-Esprit a suscité en eux et qu'il va guider, qu'il va produire pour accompagner cette louange qu'il aura suscitée parmi nous. Si votre cœur brûle d'une prière à offrir à notre Père, eh bien, offrez-la lui, à voix haute, pour que nous puissions apporter ensemble cette prière au Seigneur, la déposer ensemble à ses pieds, ou bien dans votre cœur, hein, si jamais le Saint-Esprit vous pousse à offrir à Dieu un saint recueillement silencieux. Sentez-vous libre de lui offrir ce silence par respect pour sa sainteté. Offrons à notre Seigneur un culte qui lui soit agréable. Lui qui nous a sauvés, qui nous a appelés, qui nous a choisis, qui nous a adoptés, qui nous a comblés pour l'éternité. Je demande au groupe de louanges de revenir. Nous pouvons nous lever pour ce moment-là, mais pendant ce moment, ce temps de louange, de prière libre, si vous voulez vous asseoir, vous relever, prier, chanter, proposer que nous puissions alors le faire ensemble. De mieux connaître Dieu encore, si vous voulez bien.
Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer.
384.
chez mes amis. Grâce infinie. C'est le numéro combien ? C'est vase d'argile. Vase d'argile, c'est celui-là ? 1074. D'accord. 1074. Notre Dieu qui un jour
échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a
pouvez prendre place. On va terminer ce temps de louange, ce temps de culte avec cette belle proclamation. Il est saint, il est la lumière du monde. Sa gloire doit couvrir la terre, cette création présente comme la nouvelle création à venir. Du coup, on va continuer à échanger tout au long du reste de ce week-end qui va continuer par un repas. Ça y est, en plus, c'est lancé. Je vois là que ça fume au niveau du barbecue. Parce qu'il reste pas mal de choses à griller qui ont été amenées hier. Donc, on va avoir aussi de la barbacque. On ne fait pas un holocauste. Il ne faut pas que ça soit entièrement brûlé. Bon, qu'il en reste à manger quand même. Voilà, donc on aura un temps d'apéro. Il reste des choses. On a ce moment de repas ensemble. Alors, bien sûr, où il y a des choses personnelles que chacun a dû amener. Il y a encore Covid. On ne peut pas partager du feu maison. Mais où il y aura aussi des choses... partage à tous, tout ce qui est cuit sur place ou tout ce qui est ouvert déjà tout prêt peut être partagé librement, il n'y a pas de souci avec ça. Pour terminer ce moment de culte, j'aimerais juste vous apporter un texte qui résume, je trouve, parfaitement l'ensemble de ce qu'on partage depuis des mois et qu'on a rappelé aussi aujourd'hui encore, qu'on a eu aussi au travers de moments où ça se manifeste dans les témoignages aussi qu'on a reçus. C'est un texte en 2 Philippiens, les versets 1 à 16. Et je vous invite à vous lever pour ce texte, après quoi on aura un dernier cantique. Voici ce texte de 2 Philippiens, chapitre 2. Vous ne connaissiez pas la deuxième épître aux Philippiens ? Je l'ai écrite la semaine dernière, non. Philippiens, chapitre 2, les versets 1 à 16. « N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort ?» Si. Dans l'amour, un encouragement. Par l'esprit, une communion entre vous. N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée. Tendez au même but, ce but du royaume de Dieu. Tendez au même but. Ne faites rien par esprit de rivalité, par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. C'est ça, voir chez l'autre ce qui m'encourage à grandir vers le royaume en tant que lieu très saint. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition d'un serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mes chers amis, nous dit l'apôtre Paul, vous avez toujours été obéissants. Alors faites fructifier votre salut, votre héritage. Faites fructifier votre salut avec crainte et respect, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet plein d'amour. Faites tout sans vous plaindre, sans discuter, pour être irréprochable et pur. Des enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez. Vous brillez comme des flambeaux dans le monde, en portant la parole de vie. Que le Seigneur nous donne par son esprit ce vouloir, ce faire, cette unité, cette humilité, cette consécration à son royaume, afin de refléter sa lumière pour le salut de ce monde. Amen. Pour terminer ce chant, je vous invite à chanter un dernier cantique, que nous soyons un.
Amen. Alors je me réjouis encore de poursuivre cette journée, ce week-end fraternel avec vous pendant le repas. Et si vous ne pouvez pas rester, bah, bon dimanche, bonne semaine. Et sinon, à tout de suite pour l'apéro et le repas. Donnant ta vie pour moi.